Oui. On a repris l'enregistrement, je remets ma petite scène de live avec Islance. Et c'est bon, on peut. Donc oui, Occuper la meuf là. bah, au-delà d'occuper la. Moi je peux monter en haut. Faudrait fermer la porte sur. Ouais. Il y a là, Je chacun de parle nous, pas. enfin il y a une personne qui peut Ah, il y a occuper l'œil qui est l'œil aussi. rentré, putain, sa mère. Mais attends, ah oui non, c'est qu'il faut qu'on la tue elle. Je peux pas Oui. monter à l'étage tout discrètement? Si vous voulez, je peux occuper un œil en le maintenant dans le dialogue. Détruire le Quand scrutateur là-haut. Après, si tu fais une attaque d'opportunité qui one shot l'œil scrutateur, ça peut marcher. Hein. Quoi? Et à moi qui suis au mauvais endroit. Alors, 6. Persuasion plus 6. Je voulais pas dire ça. Voilà, comment Oh, j'ai le solide charme le gars. personne. Aïe aïe aïe. Ah oui, le succès critique. Oh, le Oh, ok. Il y a un petit levier qui ouvre. Il y a des petits leviers qui ouvrent les cellules et le gros levier se déclenche l'alarme. Ah, faut pas que ça déclenche l'alarme. Bah non, non. Toujours en dialogue avec Ouais, je suis toujours en dialogue avec elle. Ouais. Ça va bientôt finir, je pense. Non, je suis toujours en dialogue avec elle, c'est bon. Je sais pas si ça a marché. Faut que tu sois en discrétion, par J'étais en contre, discrétion. et pas à la vue des autres. Non, mais c'est bon, j'étais en discrétion, mais. Don't waste the step. Et que j'occupe un œil? Comme ça qui me claque la porte au nez. Non, non, mais tant qu'il y a personne à l'étage, ça devrait aller. Je crois que si un œil voit l'œil, tu te fais griller. Non, parce qu'il disparaît l'œil quand tu le détruis. Oui, mais s'il y a un autre œil qui voit, en fait, comme ils sont deux, ils se croisent des fois. Il est. De toute façon, l'œil, il a dit je l'ai tué, il est mort. Ah, ok. Il reste plus que le Petit, bonne deuxième en chance. patrol. Lentille cristalline, combinaison 3 pour extraire leur essence. Alors, j'ai trouvé des objets. Oh, deux potions de guérison supérieure. Je peux les envoyer direct à l'eau. Mon dialogue est bientôt terminé. Comment ça? Ah mais d'accord, ok, Oui, je peux rester dedans. tu peux rester dedans. Alou, je t'ai envoyé deux grosses potions de soin. Merci. Ah, mon armure de cuir, elle me donne plus 1 maintenant sur les tests. Je peux voler une carotte. Il reste plus qu'un adepte en patrôle et un œil vraiment. Porteur gagne un Par contre, bonus de l'adepte. plus 1 au dé du jet de sauvegarde contre ses sorts quand il se sent menacé. Sotine, je te donnerai ça. De quoi? Alors, il y a. Du coup, j'ai. Non, Ah, si, moi c'est bon, j'ai un j'ai trouvé les anneau. outils. Marteau de Wulbren. Ah, je t'ai dit, c'était un marteau. Je savais pas, mais je me suis dit pour casser la pierre, c'était forcément un marteau. Bon, pour la passer à travers une pioche, à travers les barreaux. Le truc, c'est que si elle a déclenché l'alarme avec les leviers, on n'est pas dans la sauce. Est-ce que. Ouais, non, j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'assommer dans l'étalement? Mais non, avec l'épée qui est là. Non, non, faut. Enfin, on n'aura pas le choix que de la tuer, je pense. Ouais, mais en parlant de ça, y a aussi le putain d'œil là. Dans la pièce. Ouais, mais le problème c'est que là j'ai le garde. Après, si on ferme la porte et on l'éclate, juste pour qu'il y ait personne qui patrouille dans la salle.
En fait, faut fermer la porte, faut tuer l'œil et tuer la gardienne direct. Ah, il est réapparu l'œil. Où ça? À l'étage? Bah là, t'as de nouveau deux yeux. Oui, mais ils étaient déjà deux. Mais je t'ai dit que t'en avais tué un. Et j'ai tué celui qui était à l'étage, là où j'étais. Ah! Mais ouais, faut se débarrasser des yeux, et comme tous les deux yeux, en fait, ils rentrent dans la salle de la garde en chef. Et une fois qu'on a tué les deux yeux, on... C'est sûr que les deux, ils rentrent dans la salle, pour moi, il y en a qu'un qui rentre. Non, parce qu'ils se croisent. Les yeux, au bout d'un moment. Bah oui, mais il y en a un qui croise en bas, et l'autre, il va dans la cellule, enfin, dans la salle. Ils se croisent dans le couloir, c'est tout. Ah oui, mais quoi qu'il arrive, ils donneront l'alerte quand les prisonniers se barreront, quoi. Est-ce que tout le monde aura l'alerte? J'essaye. Your friend is lending a hand, but I'll not turn down. Essaye. Outil basique, œuvre majeure. I'd never see it again. We'll grab the tieflings along the way. We'll need you, however, are the clincher. Once we move, keep the patrols busy. If the bastards. Allez, le moment est venu, allez-y. Je me mets devant la cellule. Until then. On fait quoi? Hein? On fait quoi? Ah? Ils vont ouvrir le mur? Mmh. Et on va devoir les gardes quand ils vont s'en rendre compte, il va falloir qu'on les défende. Moi je suis toujours dans une bulle spatio-temporelle avec la gardienne. Bah tu peux couper le dialogue, pareil. On va avoir besoin de toi. Viens au niveau, viens à notre niveau, Cursa. Allô, t'es prête? Ouais, ouais. Le gardien. Mmh. Ah, ils viennent de le péter. Ils vont aller chercher les tiflins. Et du coup, faut aller vers les tiflins, non? Non, non. Ah. Si. Maintenant. C'est bon. Ah, il y a tout qui est ouvert. Let's go. T'es où, Talon? Mais je suis là-bas, ouais, il est parti. Et les adeptes et tout là-bas. Après la gardienne en chef, je peux la pousser dans le vide hein, aussi. Moi je voudrais bien garder son loot. Ah, elle a du loot intéressant. Ah oui, on va voir. Bah j'imagine qu'ils ont tous du loot intéressant. Oh, y'a même pas le tag de boss sur elle. Bon. Je doute qu'elle est. Moi je veux bien ses sous-vêtements. Quoi? Hein? Pardon? Moi j'ai vu, elle a son string qui dépassait et tout. Elle va les renifler comme Sirden il a reniflé les sous-vêtements d'Astaria. Bah écoute, moi j'ai été bloqué dans une faille spatio-temporelle avec elle pendant très longtemps et je peux te dire que c'est ta taille. Merci. T'es en phase avec elle du coup. Je vais regarder. Ah bah mais une représaille oui. Ouais, représaille, c'est un petit flin. Par contre j'ai réussi à lui mettre le poison. Ouais. Attention, on va arriver vite. Hein. Oula. J'entends des choses là. Moi, c'est j'ai plus de vie. Ah bah, au revoir. J'ai dit que Black il aimait prendre des trucs. Vas-y, Woolburn. Ah non, c'est nickel. Bah, eux ils vont plutôt. Enfin, nous faut surtout qu'on les défende. Tassia est morte. Y'a pas d'autres gardes par hasard qui vont arriver. Y'en a peut-être un ou deux qu'on voit pas qui vont arriver, mais ils sont pas loin. Alors y'a. Serdan à droite. Ouais, je vais me faire les deux là-bas. Oh, j'ai eu un échec critique, vas-y. Foncez. Foncez. Ouais, ils ont pas d'armes. Vers nous, les bâtards, ils sont cons ou quoi? Je pense qu'ils foncent vers une porte de sortie déjà. Oui, parce qu'ils ont pas le mur de percer de leur côté. Ah, je suis con. Oui. Oh, mais regardez le mur, du coup, je pensais que les tiflins. Enfin, pas les tiflins, les autres allaient venir vers eux en fait. Ça va. Peut-être. Enfin, peut-être qu'ils ont pas eu le temps donc. Non, tu vois, ils sont au milieu. Ah. De toute façon, nous on est la prio alors. Oh le bâtard. Hein? Oh oui, ce sort de merde. Essaye de le buter, d'enlever sa concentration, Jordan. C'est lui là, l'adepte Kéris, ouais. Oui, Kéris là. Ah,
Ah, mes sorts sont tous partis. Ouais, l'avantage pour toi, Loup, c'est que c'est un terrain difficile que tu subiras pas. Tu subiras pas les effets du terrain difficile dessus. C'est que paralysé ou entravé, donc. Non, y a pas aussi le fait que le terrain difficile, tu le subis pas. Je sais pas. Ignorer les effets de terrain difficile. Ouais, elle a pas le terrain difficile, elle. Ah putain. Putain, c'est quoi ce double réussite de jet de concentration? Ah, elle a 16 en const. Oh, il a fait 10 et 10. Il a fait deux fois ce. Tabasse-le! Oh. Oh le 1! J'ai d'attaque! Je coupe mon micro. Yeah. Oh, ça dégoûte ça. Par contre, Nadil Zelot, je pense qu'il est du côté des tifs. Oh non, il est là-haut. Ouais, non, il aura pas le temps. J'en ai trop marre de faire des critiques à chaque fois que je fais des attaques. Bah tu sais que moi j'en ai fait hein, sur mes attaques aussi, check critique. Nadi. Hurlement psychique. Ah oui, c'est l'autre qui fait un appel de renfort. Allô. Vas-y allô, fracasse-la en deux. Ouais. Ah, ça c'est con par contre. Ah, étourdi, pas mal. 11 PV, ça va. En attendant, on a toujours Jean-Michel à terre là. Calme-toi. Bah, t'as pas eu de bol. Oh, oh mais oui, il y a le truc d'Adar qui lui fait des damage. Bah, faudrait que tu la relèves. Bah, ouais, ce serait pas mal. Je veux bien, ouais. Oh, on va perdre. On va perdre un sacré bout de. J'espère qu'il te faut refocus pas en fait derrière, tu vois. En fait, faut qu'il perde la concentration pour pas que je prenne les dégâts. Ah oh, ouais, que tu sors de la zone. Je peux pas, c'est pas mon tour. Ouais, ah, mais et sachant que la zone, elle te fait des dégâts de froid au début du tour et des dégâts d'acide si t'es encore dedans. De toute façon, dès que mon tour est arrivé, je vais prendre les dégâts. Elle m'a fait sauter ma concentration, moi. J'ai perdu mon maléfice. La cible est trop éloignée, pardon. Mais t'es aveuglé. Ah oui, putain. Tu sors de la zone pour avoir... Ouais bah... Je veux pas. Je t'ai réanimé, du coup je vais me prendre encore un tour de dégâts. Parce qu'en fait j'aurais pu tuer la... La dame en chef, mais tu serais mort. Le problème, c'est que j'espère que tu prends pas ces dégâts en début de tour, tu vois, parce que sinon tu retournes à terre. Mais après, c'est pas très grave. C'est pas très grave, après, de toute façon, comme ça, au moins, il a quand même reset ses 3 jets de sauvegarde contre la mort. Si, si, ça fait des dégâts de froid au début du tour et des dégâts d'acide. Ouais, après, on perd tous les deux de notre tour, c'est ça qui est chiant. Elle a vraiment essayé de te sortir. La patate. 24 points de dégâts radiants quand même, le rayon traçant là. Bah lui, vas-y, fais-lui sauter sa putain de concentration de mort là. Pas moyen de le mettre à terre ou je sais pas. Si tu l'assommes ou si tu le mets à terre, il la perd direct hein, par contre. Voilà. Ah enfin 5 points de vie. Putain. Oh voilà, coup critique, allez, mange. Ah mais il a un point de vie. Et l'agonie. Ah mais attends, pourquoi je fais des dégâts non létaux? Non, c'est pas non létaux, t'as juste fait pas assez de dégâts. Il a subi 15 points de dégâts contre moi. Elle avait sauvegarde contre la mort, elle avait sauvegarde contre la mort. Ah oui. En fait, elle est morte, mais elle est retournée un PV. Protection contre la mort, effectivement. Tant pis. Vas-y, Dany. Ah, l'autre il va me courir dessus. Ah non, quoi qu'il est au contact avec toi. Bah oui, je me suis mis là justement exprès. Bah oui! Oh la vache! Il s'est pris un double crit dans la bouche là?
Attends, tu t'as... Ah non, c'était... c'est toi qui as récupéré des points de vie? Ouais, attends, c'est passé quoi là? Faut que je lise. Attendez, 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 attendez. Ah, j'ai plus de texte. Non mais Alou, Alou elle s'en fout. Ouais, Alou elle est en train d'attaquer. Il loue mon texte. Je veux savoir ce qui vient de se passer là. Vas-y, vas-y, je raconte. Il double crit et je crois que c'est un paladin, donc je crois qu'il t'a il t'a smite. Ah oui. Ok, attends. J'ai à l'agonie, mais j'ai récupéré de la vie. Suldar se retourne à l'agonie à cause de Nazif Zelon. Et par les enfers, je dois tenir bon. Ah, ça devait être grâce à... T'as dû avoir une bénédiction, un trompe-la-mort ou... C'est, bah, j'avais fait j'étais en concentration de faveur divine, donc ça se trouve c'est ça. Mais après, faveur divine, ça fait juste... j'ai des dégâts en plus radiants quand j'attaque, quoi. C'est... Là, petit critique paralysant. Il est paralysé pour deux tours, lui. Ça veut dire qu'il prend des crits auto ? Ouais, bah du coup, je vais lui faire une petite décharge occulte et je vais finir l'autre derrière. Je vais lui mettre un maléfice. Il prend des critiques pour les attaquants qui l'attaquent à moins de 3 mètres. Donc Sirdan va lui mettre des critiques auto tout le temps. Ah oui, merde. Je vais lui mettre un malus sur la force quand même, parce que c'est là où il fait les damage. Excès. Et la cible est trop éloignée. Ah bah excuse-moi, j'ai pas pouvoir taper la celle-ci qui est à terre. C'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète. Ah non, j'ai un avantage, donc paralysé, ça donne comme un petit... Non, ça prend aussi les critiques à distance. Pas mal. Il s'est pris de la bite. Ouais. Et ensuite, une fois qu'ils se rencontrent les deux. Ouais, mais l'IA des fois elle a un peu de mal. Logiquement, s'ils ont le temps de faire les deux trous, ça, ils foncent tous au même endroit. Après, une fois qu'on aura tué les ennemis, ce sera pas très compliqué non plus. Ouais. Allez, ouais. Sirden, tabasse. Yes, 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 yes. Ah, vous avez pris des buffs, mon dieu. Bah, moi j'étais avec la moitié de mes points de vie, mais c'est vrai que ça a mal tourné. Bah. Oh. Voilà. Ouais, ça va l'overkill. Oui. Ah. Bah, ça me permettait de buter les deux en même temps. Il y en a deux autres, mais je pense qu'ils arrivent par l'ouest. Ah, ils arrivent vers l'ouest. C'est deux zélotes, mais faites gaffe, du coup, zélote ça veut dire paladin quoi. Besoin de revenir sur Alou, ça va couper. Ouais. Pour le moment, ah, c'est ça qui est chiant, l'appel de renfort des putains de dieux. Ouais, mais après, au bout d'un moment, t'as plus de renfort à envoyer. Oui, non, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui est chiant. Bon, ça va, je suis à 1000 points d'XP, moi, pour level up. Il y a juste Black. Avec son passif, enfin, genre t'es soldat, hors la loi, tout ça, t'as eu moins de bonus. Oh, pas mal. Nuage empoisonné, est-ce qu'une... J'ai vraiment pas la portée. Après, comme c'est une berserk, elle les a mis à terre, oh là là. Oh, nice. Quoi que t'as mis, nuage empoisonné, c'est tout? Plus une bombe. Ouais. Vous avez les dégâts. Je sais pas si ça... Non, ça marche pas comme dans Divinity. Oui, je pensais que le nuage empoisonné, ils sont flanés. Et non, c'est mal dur. J'ai aussi une fiole d'acide, mais moi j'ai des sorts. Ça peut aussi marcher. Oui. Attendez, je... T'inquiète. Bon, ça, 50% de chance de toucher, il est à terre. J'aurais pas avoir un avantage. Il y a un désavantage sur les jeux de sauvegarde. Si, normalement, t'as un avantage si elles sont portées à moins de 3 mètres de la créature.
je sais pas. Non, c'est pas ça, parce que j'avais un avantage quand j'étais paralysé l'autre. Bah, je t'ai lié l'effet, moi. À terre. Oui, voilà. Et je crois que eux ils sont buggés parce qu'ils ont pas fait le deuxième trou. Dis-tu de CA quand même les trucs hein. Ah ouais, non mais ils sont en armure lourde, grosse hallebarde. Par contre je pense que je vais prendre mon ma décharge occulte repoussante hein. Je pense que il y a un des deux zélotes qui survivra pas le tour, c'est sûr. Ouais, je suis trop loin. Ah, je peux faire ça. Attends. Non, ça. 45. 45%, c'est 100%. Oui. La double crit. Apparemment, t'as fait un tir. J'ai cru que t'avais lancé un javelot. Vous avez vu mes beaux jets d'ailleurs ? Oui. 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 C'est quoi cette tension frénétique de tour ? Un malus au jet d'attaque à chaque fois qui se cumule à la fin de votre frénésie. Ok. Pas mal. Pas mal. Oh. Cette attaque, t'as un avantage ou pas ? Non ? Moi j'ai 75% mais il y en a en défense élevée. Oh ça passe. 29 ans. Ouais. 29 ans. C'est quoi, 29, c'est quoi ce truc d'assassin que t'as fait? Attaque sournoise, ok. Mm-hmm. J'adore témoin. J'appellerai pas ça un crime, hein, personnellement. En fait, c'est que il va le rapporter aux autres gardes. Je vais le dire à maman. Oh bah ouais, bon voilà. il est foutu. Parce que du coup, en fait, quand j'attaque comme ça, je tue systématiquement, tu vois. Succomber à un coup fatal. Je tue. Je tue. Pourquoi tu as été flin, ils font demi-tour là. Il y a encore dans le truc de la garde, du coup. Pourquoi tu es flin, ils font demi-tour. Mais ils reviennent en. Ils reviennent en bombe. Non, mais t'inquiète, c'est qu'ils sont un peu buggés, mais ils reviennent. Ah. Y a quelqu'un qui loot la gardienne, oui. Ouais, y a une potion angélique qui peut être pas mal, je te l'envoie, et mis à part ça, bon, il y a de la demi-plate, il y a une amulette de regain magique, restauration d'un emplacement de sort. Comment ça, c'est bon. Bah non, moi j'utilise des cantrips, donc c'est peut-être pour Cyrdan. Non, Cyrdan, c'est pas des emplacements de sort. Ah oui, c'est des trucs de foi. Si, j'ai des sorts de niveau 1, des sorts de niveau 2. Ah ouais, bah go. C'est toi qui vois. Je le laisse dessus parce que ça lag. Pour le loot. J'ai un dialogue avec Bongle. Ah, c'est pour ça que ça laguait. Allez, à l'est, c'est là que se trouve l'auberge de l'ultime lueur. On vous y accueillera à bras ouverts. Something survived in this hellscape. You should have led with that. See you there. Ok. Et il fuit joyeusement. C'est la fin du Seigneur des Anneaux, troisième du nom. Pardon. C'est de courir tous les prisonniers de la tour de Haute Lune en une seule. En une seule quoi ? La seule partie. Ah. Non, t'as pas déverrouillé le coffre à ma place ? Non. Ah non, je me suis mis à côté. Une set d'or et un caillou. un caillou. Bah quoi, mais du il coup, est pas beau ton caillou ? Tu peux l'équiper et la déséquiper pour l'emplacement de sort ? Ça marche comment ? Oui, c'est faisable, mais je sais pas si c'est vraiment efficace. Je n'arrive pas à ouvrir ce tonneau. Prends. Ben, j'essaie de te la refiler juste deux secondes, parce que le temps que ça... Peut-être un petit peu de distance entre vous aussi.
Oh, on a les poches magiques. Vous êtes parti où? On explorait les caves. Non. Sinon, je vous sentirais. Gras comme vous êtes. Gras. Il a dit gras comme vous êtes. Gras. Gras. Gras, vous dites. Bon, le temps que. Putain. Ça devrait t'arriver. C'est imminent. Oui. On peut faire un repos court si vous voulez. Mon cher Black Rabbit, est-ce que tu pourrais venir déverrouiller ce magnifique coffre qui est ici, s'il te plaît? Parce que moi, actuellement, j'ai une amulette à virilles étrange qui me donne tentacule noir des Vardes, mais ça va pas très bien avec le RP de mon perso. Hein, ça. Tentacule, merci. Ouais, crocheté. Mm-hmm. Ah, t'es à côté, putain, je vois. Le coffre en bois n'est pas verrouillé. Ah, j'ai dû la... C'est bon, Alou, tu l'as ouvert grâce au... à la clé de la gardienne que j'ai ramassée. Alors, j'essaie de m'équiper, mais. Non, mais alors, il y avait quoi dedans? Là, ça lag de partout. Ouais. Je sais pas, Alou, il y avait quoi dans le coffre? Je sais pas, j'arrive pas à l'ouvrir. Du coup, on irait pas. Il y a quelque chose qui lag très fort. Je... Ça lag très très fort parce que je peux rien faire. Ah bah, et après on dit que c'est que moi. Bah là c'est plus que toi. Ah c'est bon. Bah non, j'essaie d'envoyer une décharge occulte, je suis aussi coincé maintenant. C'est pour le coup. Je viens de voir que t'as lancé ta décharge occulte. Mmh. D'accord. Bah là oui, là je l'ai lancé. Bon, Alou, tu devrais pouvoir voir dans le coffre. Peut-être. J'ai plus de lag, donc normalement le coffre si tu cliques dessus. Ah c'est bon. Bah il y a une flèche d'acide et des sous. Quoi? Et une flèche d'acide et des sous, voilà. Ça dit quoi? Je vais... Pour repos. Si. Je vais péter les tampons avec la décharge occulte. Attention, pour repos. Ouais. Ah. Du soin. Moi j'ai pas encore utilisé mon imposition des mains, tiens. Ah oh. Oui. Mais c'est ce qu'on a vu au début, les toilettes. Les secrets toilettes, hein. Mais ben moi j'ai pas vu, alors tu... Voilà, mais hein. Il avait dit au début, Black, c'était des toilettes. Ouais, j'ai absolument pas dit ça. C'est bizarre comme toilette. Bon, t'as pas vu le truc. C'est le premier trou rouge que tu vois. Allô. Quoi? Hein? Ah, oh, puis il y a des petites bestioles qui volent à côté, c'est dégueulasse. Il y a pas que des bestioles, il y a aussi une tentacule à l'intérieur. Ah, il a pas été nettoyé depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui a un parchemin de chute lente avant qu'on se jette dans. Bah non, mais on va pas plonger. Moi je me jette pas dedans, je vous regarde. Moi non, je me jette, c'est... mais attends, j'ai parchemin de feuilles mortes. Attends. Avant, au cas où, pour me suivre. Non mais, je veux le faire à tout le groupe. Est-ce que vous pouvez vous mettre autour de moi? Non, c'est bon, non mais. Non. Ça ira. Non mais, t'as sauvegardé? Moi, je ne pense pas que ça oui, j'ai sauvegardé. Manière. Attends, bah je vais le lancer du coup, attends, j'attends qu'il y ait tout le monde. Je pense pas mais que si, c'est toi qui es prêt. Vas-y, on te regarde. Aïe! Un illicite oubliette, right beneath the towers. Bon, ça va? Je suis pas en combat, hein. Oh, par contre, c'est dégueulasse! Heureusement qu'on a pris chute lente par contre. Hein. Tu l'as. Y'a quoi en bas? T'as son chargement? On arrive là. C'est des toilettes, hein, tu vois, j'avais raison. C'est dégueulasse. C'est des viscères. C'est délicieux.
Oh, par contre, je vois plus rien, il fait noir. C'est dans le caca, ça. Oui, dans le caca et le sang. Littéralement. Ça, ce sont des hémorroïdes qui ont mal tourné. Oh, s'il vous plaît. Bon, on est tous séparés là, c'est ça? Non. Ah, si, est-ce que j'ai que tout ça de mon côté? Ah, oui, j'étais parti de l'autre côté. J'essaie de chercher parce que j'ai dit, voilà, il y a des illicites de si je voulais l'utiliser. Vous êtes où? Attendez, hein? Membrane. 6 sur 6. Ah. Attendez-moi! C'est frappable ça? Oui, attends, elle est où ta membrane que je... Ouh. Oh, la lumière. Oh, je peux communiquer avec les morts sur cette personne, sur ce gobelin. Apparemment. Attends. Le temps que le jeu détecte que ce que je veux faire. Bien sûr, communiquer avec tous les morts, c'est le petit gobelin. Mais pas avec tous, seulement ceux qui me disent que je peux. Ils me disent que je peux, donc j'y vais, moi. Hein. Je comprends. Ça, ça me fait rire, c'est tout. Le corps te regarde. Ça, quand quelqu'un veut, il y va. Qui êtes-vous? Que vous est-il arrivé? Ok. Nul. Comment ça? Quel est cet endroit? Qui êtes-vous? Comment ça, Ascension? Bah c'est le truc qu'on doit faire en haut, qu'il a dit, en haut de la tour. Je sais pas s'il va nous dire plus que ça. Hein. Bah t'es juste mort, mec. Ouais, t'es... Ouais, tu t'es pas vraiment... T'es pas vraiment rejoint sa chair. Corps qui naissent de cette ascension... C'est mort. Mais il en a rien à battre. Votre loge, le cerveau est toujours en place, mais maintenant, quel est cet endroit? Bah, qu'il vient-il du corps? Ben, bah, il est là. C'est... Je préférais des questions, genre, qu'est-ce qui vous a tué, tu vois? Mais il t'a dit, c'est l'ascension. Quel est cet endroit? C'est moi, là, qui pose une question. Enfin, ouais, vas-y, si vous voulez. Quel est cet endroit? Ah, ça ressemble à paradis. Voilà une version différente. Hein. Qui êtes-vous? J'en ai rien à faire. Ah, dévoré. Oh, ok, j'aurais bien ça. Ouais. Parce que c'est l'ascension qui l'a tué, mais enfin. Bah, en théorie, c'est pas l'ascension, c'est quelque chose. Bah non. Peut-être que du coup, dans l'ascension, le rituel de l'ascension fait que... Ah non, ah, parce peut-être. Que moi, j'ai trouvé quelque chose ici, bref. Tu trouvais quoi? Ah, venez, vous grimpez avec moi. Bah moi, je veux... Y a pas des trucs de l'autre côté, là, de cette membrane? Y a quelque chose de l'autre côté, ouais, mon perso, il dit. T'es où? Attends, t'es où, elle est où? Bah, je suis derrière toi. Et ouais. Merde. Mon perso, il dit qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la membrane. On est d'accord que c'était par là qu'il fallait que j'aille, Alou. Oui. Ah, d'accord. Attends, combat? Bah oui. Oh putain! Attends, j'arrive. C'est qui a fini à terre là? Oh, ah ouais! Je suis dans la merde. Mais pourquoi je suis bugué moi? Ça a un peu lag là. Ah mais je suis sous terre. Je me suis pris un coup critique encore. Ça va? J'étais surpris, je crois, non? Je suis par terre, mais je sais pas du coup. J'ai pas compris, je suis sous terre. Oui, tu t'as... Putain, t'as passé à travers le décor? Ouais, c'est pour ça, j'ai pas compris en fait. J'ai vu un statut à terre. Et j'ai pas compris d'où ça venait. Ah, c'est pas cool ça. Allez, tiens, ah, un bon petite moment. Fougue. Comment on va faire un repos court? Ou alors qu'il faudra que se TP au camp peut-être et revenir. Bon, on verra, t'inquiète, pas un problème. Après il peut prendre un TP d'endroit aussi, hein, si jamais...
Tu sais, de... Oui, non, mais... Ah, mais oui, mais après, t'as pas la chute lente quand même pour revenir ici. Bon, ça se trouve, trouver un TP. Plus loin. Mais... Peut-être le combat. Bah, comme quoi, hein. Pas totalement l'ascension hein, qui a buté le plus. Ouais, c'était juste savoir qu'est-ce qu'on allait affronter. Non, tu bénéficies de mon aura de protection. Yes. Ah. Alors, est-ce que tu peux sauter pour nous rejoindre? Attends, en fait, je suis juste en bas. Il a glitch. T'es en bas, mais dans la map, non? Oh, ma caméra, elle pète un câble, hein. Ou quand elle vient sur toi. Tu peux bouger? Bah non. T'es hors map, là, t'es dans un mur. Là. Alors non, il est pas vraiment en map parce que je le vois d'en dessous, moi. Pareil, mais... Non, mais en fait, il a glitch. Je peux quand même pas me déplacer. Est-ce que quelqu'un a le parchemin de foulée brumeuse? Qu'est-ce que j'en ai un? Prends ma potion, pire, attends, je te donne ma potion si tu veux, qui donne foulée brumeuse et tout. J'ai un parchemin de foulée brumeuse, tiens. Ah, voilà. Ah, je peux pas lancer est-ce que c'est que je peux pas lancer parce que... Ah bah si t'étais à terre juste avant, tu peux pas, peut-être. Attends un tour et on va voir si je peux relancer après. Ah, hémorragie. Je vais couper le doigt. Comme IRL. Alors. Éplucher le doigt. La question c'est est-ce que je peux sortir Ouais. Si ça devrait être bon. C'est toujours en train de cicatriser en plus, hein, ça fait toujours mal cette... C'est bon, j'ai réussi à revenir sans utiliser la foulée brumeuse. Oh, bien joué. Il a recroché pour faire des élixirs de... Alors, Cursa, je te rends ça. Ah, merci. Vous avez pas pris, Alou, il y a un petit truc, un petit élixir de soif de sang pour toi que t'as pas pris dans le coffre. Quel coffre? Ça... Bah, il y a un coffre, là. Hein? Je t'ai envoyé, Cursa, une potion, un diadème aussi, en plus. Ah, merci. Ça tient une petite couronne. Il y a un mort, là. Il a un prénom, je pense. Je sais pas si on le connaît. Il s'appelle Civil. Non. François. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, il y a une flèche de glace. Tiens, je te donne la flèche de glace. Attends, je vais essayer de pas tomber. Alors, je vais sauvegarder parce que je voudrais pas retomber dans l'été. Oh, très bien, les textures. J'attends en bas de la falaise, du coup. Une dent rocheuse. Attrape en plus. On peut remonter. Aide. Allez, je monte. Oui, ça donne plus 5 points de vie jusqu'au prochain. Moi, ça me rappelle, faut que je balance mon armure d'Agathys, moi. On est arrivé où là? Est-ce que... Ça te dit quoi sur la carte? Prison des tours de haute lune. Bah un autre en... Ouais, c'est qu'on est arrivé ailleurs. Hop là, c'est à moi. C'est-à-dire que tu pourrais potentiellement péter le mur d'ici. Ouais, pour sauver Wilbur et les Tiflins. Même... en fait, tu pouvais, si t'as les compétences, tu peux sauter ici. Ah oui, tiens. C'est pas moins 4 PV. C'est où, bichette, hein? Bon. Ah oui. Je vais repasser par les cellules. Bah, du coup, est-ce qu'on irait pas à l'auberge du dernier truc pour voir tous les Tiflins, vu que maintenant on a sauvé ses sœurs et frères? Et bah, y a pas Jaira qui nous avait dit qu'elle se préparait pour un assaut sur la tour de Haute Lune? Pas tout de suite. Ah. Après, on peut. Je sais pas si on peut se TP. Si... On peut, on peut finir d'explorer peut-être Haute Lune avant. Oui, ce serait cool. Ah oui, oui. Mais on va pas. Faut pas explorer trop loin parce que sinon on va pas se retrouver contre Kaeteric Thorm. Non. T'inquiète. Moi j'en ai marre, ça lag trop. Hein. J'ai essayé de sauter. Je suis bloqué dans un saut pareil. Je comprends pas.
Ah mais sinon tu sautes sur la boîte là et après tu... Non mais j'ai la distance de saut. Mais le lag fait que mon perso saute pas. Voilà. Il va sauter tout seul. Ah c'est bon. Ah, pour moi, t'es tombé dans le vide. Ah non, c'est bon. Ok. T'as que à l'eau. Ouais. Vas-y, on déclenche l'alarme. C'est le mec. Ah bah du coup, elles ont survécu, les deux interrogatrices. Oui. Merde. Ah bah... Avec le lag, du coup, l'ennemi est apparu tellement tardivement pour moi. Bah pareil, je sais que je suis en plein milieu de la salle. Hein. Et ah, d'accord, je vois l'adepte. Oui, c'est bon. Oula, oui, et moi aussi, je viens seulement de le... Je suis seul au monde... Attends, allô. Ouais, bah... Quand... Ah, c'est bon, je vais sauter. Quand j'aurais sauté, quoi. Ah non, Cursatine n'a pas la patience de t'attendre, mais... Ouais. Comme d'hab, quoi. Non, je t'attends. Et après, je vais balancer le coup. Protection contre la mort. Ah oui, c'est ça. Je sais pas s'ils ont la protection contre la mort. C'est bon, je suis là. Ouais, vas-y, avance. C'est ton tour, encore. Bah non, t'as choisi de jouer en premier, maintenant tu joues, hein. Mais non, mais elle passe avant moi dans le tour d'initiative. Oui, bah moi j'étais avant ça toi. Ça t'a jamais dérangé. Est-ce que ça t'a posé un problème? Ah, t'as pas encore tapé le truc là? Bah non, mais... Ok, vas-y, si tu veux. T'as voulu jouer, tu joues maintenant. Oh, t'as deux attaques, hein. Tu vas pas me dire que t'aurais pas pu faire un sans finir le tour. Hein. Non, je l'aurais pas tué. Oui, mais t'aurais pu... Plus ça lag. Ah. Alors c'est que j'ai pas le déplacement. Ah. Pas le déplacement. Que ça lag seulement. Lancer mon attaque mais ça bouge pas. Ah. Ou par contre il va te lancer un truc là dans la gueule. S'il y arrive. Mais Oh le bad. C'est pas moi qui ai pris. Oh là là. Ouais, parce que moi j'ai. En fait j'ai fait une décharge pisonique, mais j'ai oublié que le gardien de foi, même si t'es pas dans la zone, il peut quand même te balancer des dégâts. Après j'ai eu mon armure d'Agathys. Hein. Je sais pas, ça l'a... Pas tu l'as surtout perdu non contre le gardien. Oui, oui, c'est pour ça. Heureusement que je l'ai eu en fait. Je peux pas bouger, je peux pas bouger. Non, je peux pas bouger, je sais pas pourquoi. Ah, mais si, parce que t'as pas encore joué ton tour quand vous êtes arrivé dans le combat. Ah. Bah, merci, ok, je prends du 40, c'est gratuit. Et ça me fait perdre ma concentration en plus sur mon. C'est-à-dire que je peux pas relancer gratuitement mon maléfice. Voilà, y'a plus qu'à l'achever. Gnu, Alou, elle est avant moi dans le tour. Non, j'ai dit elle est avant, donc elle peut jouer. Oh putain, ouais, j'ai pris une autre claque. J'ai pris un 40 points de dégâts dans la bouche là. Bah écoute, en parlant de l'armure d'Agathys. On va la relancer. Hein. Bah restez là dans la pièce.
juste que Cyrdan y soit revenu et je ferai la sauvegarde. Bien sûr. Ah, c'est bon. Ah. Tu es dans la sécu. Si, c'est bon. Déjà en cours d'utilisation, déjà en cours d'utilisation. Je te jure, j'ai spammé le clic alors que j'étais tout seul dans la salle. Hop.